êtes un professionnel. Nana. Pardon, c'était complètement craqué et gratuit, cher public. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et Alduin est mort. Oui, parce que je tape du poing de la table, parce que ça fait longtemps, je m'en étais plus souvenu, ça fait plaisir de voir à quel point il est mort. C'était important comme événement, et regardez-moi cet écran titre. Cet écran titre de la bataille, de la guerre, symbolisant la guerre qui rage dans Skyrim, qui détruit les enfants, les chaumières, les femmes, les hommes, tout le monde qui va mourir avec Bob Lennon. Yeah, Bob Lennon, Bob Lennon, c'est un pyro barbare, massacré, déchiré. Moi j'en fais mon devoir, et je mènerai les sombrages au cœur même de la guerre. Puis Alduin est totalement mort, de toute façon j'ai plus que ça à faire. Et voilà, gratuité. Je suis pumped up, ça fait 3 fois que je tape ma table, appelée SOS table battue, c'est la guerre. Allez, c'est parti, continue, fuck yeah. Attendez, quoi que non, pas continuer vu que j'ai fait une sauvegarde par... Excusez-moi, j'ai fait une sauvegarde en fait pour un test son. Voilà. Et j'étais à Bétardasme. C'est comme ça que ça se prononce. Et beaucoup... Ouais, écoutez-moi cette musique. Mmh, ça vous donne du muscle, du pectoral qui... qui pulse, ça fait plaisir. Ça fait rêver les femmes. Et surtout les bicurieux. Mais c'est pas grave. Je rappelle, nous étions donc à Bétardasme, et pour ceux qui se posent la question, pourquoi on n'a pas la suite directe? On a manqué un épisode, tout ça? Non, les mecs, non. C'est juste que j'avais eu un problème de trop plein de disques durs encore une fois. Mais ce coup-ci, j'ai mesuré. J'ai mesuré combien de temps il reste. J'ai calculé tout. J'ai fait tout ça correctement. Bref, c'est la gloire. Eric, Eric le conquérant. Tu es beau, tu regardes au loin, tu recules, je dois puer de la gueule. C'est pas grave. Oups. J'ai fait une sauvegarde rapide sans faire exprès, je pense. Hop. Voilà, regardez le pyro barbare. Il vous avait manqué. Et donc, il faut qu'on en finisse avec Bétardasme. Le truc, c'est que... Ah oui, j'ai plusieurs modes que j'ai installés, il faut que je vous en parle. D'abord, le mode des musiques. Vous entendez des musiques totalement différentes. C'est un mode qui rajoute un truc comme 150 musiques au jeu. Voilà, des musiques qui sont libres de droit, qui font plaisir, qui sont à la gratuité ou autre, des trucs très jolis, et qui permettent d'avoir un jeu... Bien sûr, les musiques originales, y sont encore, mais ça rend le truc complètement épique. Eric le Conquérant. Vous voyez, j'ai un mode installé, un mode que j'ai téléchargé, bien sûr, sur la confrérie des traducteurs que je remercie, hein... c'est formidable, qui ont traduit et qui permet donc d'engager plusieurs larbins à la fois et de les manipuler, d'en faire un peu ce qu'on veut, tout ça. D'ailleurs, ça vous donne automatiquement un livre qui vous permet configuration de compagnon. Je ne veux pas utiliser les menus. En fait, ça vous permet d'utiliser les menus plutôt que de comment s'appelle, que de leur parler. Moi, je préfère ça via dialogue. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Besoin de fassiez quelque chose. Allons-y. Manipulation. Attendre, suivre, se reposer, échanger. Se reposer, échanger. Statistiques. Portée statistique. Eric le Conquérant, level 40, santé presque 700, magie 80 et vigueur 210, régénération de santé pété pété pété, et valeur d'armure pété pété pété. Compétence. Compétence pour le combat. Demain 100. Ok, il faut absolument que je lui donne. Et armure légère, il est craqué aussi. Oh, mais il est complètement craqué tel qu'il est. On va le laisser comme ça. Début, je pensais que la... Silence. Manipulation. Laisse-toi me faire manipuler. Entraînement, ça le remet à mon level en fait. C'est un nouveau truc. Ça permet d'adapter en fait le larbin qui te suit. Il est là level 40. Si je fais entraînement, il sera level 45. Je vais pas le faire. Je le ferai sur Lydia et sur Carjo sans doute. Mais voilà. Collecter, tenue, combat, résidence, importance. Importance. J'aimerais que tu sois essentiel. Ça m'éviterait d'avoir à te buter. Non, allez, je le mets pas. Alors, allons-y. Allons-y, exactement. On verra ça plus tard, chers amis. Bougez pas, parce que ça mérite un petit FOV 80. Voilà, c'est le dézoom des ténèbres. Qu'est-ce que ce regard de poisson frit que tu me fais là-bas? Bref, on progresse. Nous étions donc à Bétardasme, et je me souviens plus de tout ce qu'on devait faire. D'ailleurs, il me fait le plaisir de ne pas faire apparaître mon épée. Voilà, c'est complètement pété. Ah oui, c'est ça. Magie. Ah, par là. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que j'étais censé faire? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ah bah tiens, tu tombes bien, fils de pute. Je te touchais, je te ratais. Oh, paralysie. Tac. Tac. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mulia, je sais pas où t'es, mais je vais te trouver. Tiens! Oh, il a rien eu! Reviens ici! Tu
tuer. Il est là. Bullier. Bullier. Tu es à moi, Orcanor. Oh, le revers. Take. Finish him. Bob Lennon wins. Fucking fatality. Mutada. Il saigne encore, ça fait plaisir. Alors, anneau de destruction, je veux. Mais non, pas Stolène enchanté, non, Stolène enchanté, ça veut rien dire. Botte d'ébonite, non. Bâton d'étincelle, je veux. Clé de l'élévateur de la cité naine. Collier de régénération, dague de fer de brûlure. Puis je vais prendre les bottes, parce que fuck it, de l'or, une robe de mage noire qui vaut rien. Réalité et autre mensonge. What? Style ordinaire et une émeraude. Excellent. Oh, pardon. Bélier. Et deuxième coup. Bélier. Power slam. Et troisième essai de la part de Bob Lennon. Oh, la nuque. J'adore jouer avec les cadavres comme ça. Bélier. Deuxième essai. Hop, hop, hop. Attention, missile humain. Attends, comment je fais? Et attention, lancez à Eric. Oui. Comme il a gravité autour d'Eric. Eric qui regarde d'un air. Oui, je n'approuve pas spécialement, mais pourquoi pas. Bon. Oh, very bad trip 4. Bref. Ah, ça lui apprend le respect un petit peu à ce vieux con. Alors, et donc on progresse. Ouais, sauf qu'on progresse, sauf que je suis perdu, chers amis. Aujourd'hui, je vous avais promis... Enfin, je vous promets qu'aujourd'hui, on va avancer un petit peu la quête principale. Plutôt la quête principale. Pas la quête principale, mais y compris. Mais la quête de la guerre, avec les sombrages et tout, bordel. Tu suis, Eric? C'est bon, il suit. Et on sort. Donc on va donner ce qu'il veut, l'autre fumier de pyrite. De nombreux animunculi à vapeur restent actifs, rendant périlleuse toute exploration des ruines des nains. Animunculi, ça doit être golem animé, si je traduis correctement l'étymologie du mot. Enfin bon. C'est pas important. Ouais, il est là. Ouvre la porte. Wouhou! On est sorti. Et vous êtes sûr que je suis en FOV 80? Ouais, ça m'a l'air assez proche. Enfin bon, c'est peut-être une illusion d'optique. Bref. C'est quoi ça? Ne serait-ce 5 ans de comment ça s'appelle? D'Imperio? Oups, voilà, ça marche pas. Tac, 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 ça lagouille un peu, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Putain, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu quand même. Et oui, mais c'est un camp d'impériaux. De toute façon, quand je porte un arc, maintenant, observez ma position de fou, j'ai trop le swag. Voilà, c'est tout, c'est épique. Ils se battent contre quoi? Wouah, mais c'est quoi ça là-bas? Bonjour. Oh, that shot. Je suis en stress là maintenant, j'adore. Oh, 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 j'ai raté mon coup. Mon dieu, mais that skill shot, chers amis, c'était Sniper V2. Oh, ça touche. Oh, ça touche. Oh, ça touche. Bon, je recule un peu. Puis je me rassois. C'est bon, je suis caché. Mais that skill, chers amis, that skill. That skill shot. Pas plus de cibles. Ok, il les a tous butés à ma place. C'était quoi? Ça m'arrange. Ça a pas touché? J'ai cru. Dragon Daedros. Oh putain, Daedros. Oh, et ça touche. Oh, puis fuck it. T'as raison. Yeah. Je suis en mode expert, mais je m'en fous. Je vais me le faire. Oh, je l'ai raté.
Milia! Damn! Cœur de Dédra et des flèches d'acier, je prends tout. D'ailleurs, excusez-moi, je vérifie juste un coup. Je suis en difficulté comment? Parce que là, je me pose des questions. Expert? Non, je peux pas aller plus loin. Non, vous voyez, je suis au max. C'était pour prouver, hein, c'était pour prouver. Oh, c'est skill, c'était skill de ma part. Et hop! Un camp d'apéro découvert. Oh, mais c'est pas juste, ils sont tous morts. Oh, c'est triste. Power slam. Une cape, des flèches d'acier. Puis de la merde, de la merde, de la merde. Écoutez, hein, y a pas bien plus sur eux, je trouve. Mais non, mais non. Les blessés ont été exécutés sommairement. Bon, je vais être sincère pour ce que je m'en pète. Wine bottle, jug, potion de soin, prends tout, prenez tout. Vêtements de deuil. C'est là que là je vais les prendre cela. Hop. Pardon. Cette ragdoll, cher public. Ou un papillon. Puis une broche. Eh ben, y a plus rien ici apparemment. Bon, bah ça m'a l'air clean enough. Et là-bas, ça dit il y a un ennemi. Des zooms pour tenter de découvrir qui est cet ennemi. Non, apparemment, non. Il y a que Pouic. Oh, il y a une. T'es sûr que tu veux jouer à ça, dragon? C'est Fort Boyard! Vas-y, Bob, t'as la clé! Sors! Il y a. Oh, des sombrages! Salut, les filles! Putain, je le vois plus, il a disparu, il fait n'importe quoi. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ah ah ah. On recule, on analyse la situation. Ok, Rodrigo, c'est l'heure d'analyser. Ouch. Nagan, classe. Faites-moi ces trucs. Oh la vache, je suis en train de crever à une vitesse. Je suis en train de viter une vitesse. Potion de soin. Eh bien, c'est peut-être l'heure de jeter un cri là, mon petit. Allez, Bob. Bon, d'accord, c'était foireux, c'est pas grave. Ça a marché? Ouais, ça a partiellement marché, disons. Ça m'a l'air foireux tout ça. Ya, tiens, bouffe! Tiens, bouffe! Tiens, bouffe! Putain, qu'est-ce qu'il prend? Oh! Qu'est-ce qu'il prend, chers amis? Qu'est-ce qu'il prend? Réfléchissons. Ah! Est-ce que tu es prêt, foutu dragon, à être contaminé par le fameux, l'interdit, celui que Jael a inventé, le sida de l'espace? Bah alors, sida de l'espace? Ah ah! Sida de l'espace! Regarde ta vie qui va fondre comme neige au soleil! Oh! Ça faisait longtemps, ça fait plaisir! Il commence à taper sur Eric, ça va? Bon, apparemment non. Cette musique est complètement épique, en tout cas, chers amis. Vas-y, atterris. C'est bon, de toute façon, t'as déjà la marque mortelle. You're the fool! Damn, regarde ta vie! Damn, regarde ta vie! Et voilà! Je m'en fous! Je fouille ton cadavre! Je récupère les os de dragon, les écailles de dragon et même la masse morque parce que je suis un crevard! Et la musique qui s'arrête juste au bon moment de manière complètement héroïque. Hadouken! Hadouken! Ah, ça marche plus aussi bien qu'avant! Ils ont dû régler le bug. Ah bah pour le coup je suis déçu. Bon. Eh ben c'était un bon échauffement. Je vais donc juste découvrir cette pierre sigillaire là-bas, cette espèce d'hôtel des signes astraux et ancestraux. Le mieux ce serait quand même une pierre qui te donne le symbole du Hokuto Shinken, tu sais, c'est auto-win. Tu deviens le Jésus de l'espace futuriste.
Enfin, le titre normal dans Ken le Survivant, c'est Post-Apocalyptic Jesus, Kenshiro. Tu sais, ça commence comme ça, les combats. Kenshiro, le Jésus post-apocalyptique. Qu'est-ce que c'est que cette merde là-bas? C'est pas important. Ya. Aïe. Tac, 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 tac. Ya. Aïe. Tac, 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 tac. À moi la pierre, à moi la pierre, à moi la pierre. Comment ça, pas de bum? Comment ça, pas de bum? Oh, tu te fous de ma gueule! Dragon Spawn. C'est ça, proche. Bam! Déjà, ça, c'est juste pour te... Oh la vache, oh, 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 oh. C'était juste pour te chauffer les dents. Tu crèves. Un bébé dragon. Qu'est-ce que ça peut être moche. Eh bon, personne n'en veut. Et si j'attends une heure, ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Pierre de l'amant. Toujours ça va changer de conscience. Cool. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. En plus, le y a une gonzesse à poil dessus, alors ça fait plaisir. c'est la gratuite. Qu'est-ce que... Oh, un œuf. J'ai récupéré un œuf. J'espère que je vais pas me mettre à dos les aigles du canton.